ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est très doux. Il fait déjà 10 à 11 degrés. Le ciel est variable. Pas d'averse pour le moment, mais c'est humide. Il peut y en avoir. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à midi, coefficient de 94. Sur ce descendant, le vent est très sud, plein sud. Il y a du 2 à 3 beaufort, hein. Il y a des rafales. Le plan d'eau est clapot. Il n'y a pas de mouton. C'est agité. Il y en a une houle qui est consistante, orientée ouest, avec 11 secondes de période. Une houle orientée ouest à ouest-sud-ouest, multipique et agitée. Alors, il y a un déferlement régulier à 2 mètres. Et sur les séries, il y a 2,50 m, des fois 2,80 m. Dans tous les cas, la taille, là, c'est pas important parce que c'est absolument en vrac. Il n'y a pas les moindres bouts, c'est même méchant. Vous voyez, là, des trucs hyper creux, très très courts. Pas de surf et pas d'action sur la cano. Évolution pour le reste de la journée, de la houle qui va rester stationnaire toute la journée. La voie Arcachon est stationnaire à 4,10 m et 8 secondes. On voit au large les grosses séries, là, à 2,50, 2,80. On attend à 13h, 2,80 m, houle ouest, 11 secondes de période, toujours du vent de sud, mais qui se renforce 3 à 4 beaufort. Et à 17h, toujours 2,80 m, houle ouest, 11 secondes de période, avec un vent qui passe sud-sud-ouest, 4 à 5 beaufort. Ben, pour la cano, c'est mort. Il vaut mieux se diriger vers des spots de repli favorables par vent de sud, ça sera beaucoup plus propre là-bas. On suit l'action, on se retrouve à 8h30 pour un prochain point. À tout à l'heure, merci.